Au sujet d'un premier contrat de recherche que j'ai réalisé grâce à Marc Adelard, qui était sur le comité scientifique de l'OPTAT. Donc, j'ai eu ce contrat pour aller travailler à Arvida. Ce n'était pas parce que je restais à Arvida, mais c'est parce que Arvida était déjà dans le programme, la programmation de l'OPTAT à cause de la présence là, d'un service d'aide aux travailleurs qui avaient des problèmes avec l'alcool. Peut-être qu'il y avait des alcooliques, mais souvent, c'est des gens qui étaient des gros buveurs. Puis le principal problème, c'était un problème, je pourrais dire aujourd'hui, d'anthropologie appliquée à l'époque, je ne sais pas comme ça, c'est comme ça qu'on le voyait, mais évidemment, l'OPTAT, ça avait une option d'application puisqu'il s'agissait de prévenir, entre autres, les abus d'alcool et de drogue. À l'époque, c'était surtout l'alcool parce que la drogue, on ne connaissait pas. C'était très, très rare, les gens qui étaient drogués. L'alcool, c'est une forme de drogue. Donc, il y avait ce service-là qui était dirigé par un monsieur Hubert, un ancien militaire à la retraite. La retraite de l'armée, mais qui était engagé à l'ALCAN, qui avait été déjà travailleur, je pense, dans la CUVIS ou je ne sais pas, qui avait été engagé spécifiquement. Il y avait un bureau où il faisait le suivi, le suivi des gens qui étaient... pour lesquels des patrons, les contremaîtres, disons, relevaient des problèmes, soit au travail parce qu'ils arrivaient éméchés, soit même qu'ils s'endormaient dans un coin, ou soit que carrément ils ne se présentaient pas parce qu'ils n'étaient pas en. D'ailleurs, c'était mieux de ne pas se présenter que d'y aller et causer des dangers, parce que là, il y a quand même la matière en fusion, écuve, etc. Il y a des dangers, évidemment, d'être blessé grièvement. Même de... Si tu tombes dans une salle de queue, dans un... l'aluminium en fusion, là, évidemment, tu meurs instantanément. J'ai déjà entendu dire des gens que c'était un pied qui avait été brûlé là, parce qu'il y avait des... Mais regarde, à l'époque, c'était pas protégé comme ça l'est maintenant. Il y a des couvercles à l'époque. Là, c'était pas... parce que j'ai visité des usines de l'ALCAN, puis maintenant, c'est beaucoup plus protégé que cette époque. Parce que mon père était aussi cuviste quand il travaillait à l'ALCAN. Il travaillait dans les salles de cuve, dans la grande chaleur. Il y avait ce service-là. Et il y avait... Il y avait une liste d'employés qui avaient été relevés pour avoir certains problèmes avec l'alcool. Puis, ce qui concerne l'alcool, le principal problème, évidemment, c'est l'absentéisme. Quand quelqu'un se déclare malade à la dernière minute, évidemment, c'est un homme de moins pour travailler. On ne peut pas nécessairement le remplacer immédiatement. Ou encore le danger de se blesser ou de blesser les autres. Donc... J'ai pu avoir accès, il y avait une liste des employés, j'ai pu avoir accès à tous les dossiers complets des employés qui avaient été mentionnés comme ayant, je me souviens plus du nombre, quelques dizaines qui avaient, puis des problèmes plus ou moins graves, parce qu'il y avait, des fois, ils pouvaient même être suspendus, hein, s'ils rentraient en ébriété à l'usine, était peut-être renvoyé, pouvait être suspendu pour 2 jours. Donc, tout ça, c'était mentionné dans le dossier. C'était des petites fiches, là, cette grandeur-là, avec différentes entrées, et ainsi de suite. Donc, j'ai pu avoir accès à ces dossiers-là et faire une compilation statistique du profil de ces buveurs excessifs, on peut dire. Les gens qui avaient des problèmes avec l'abus d'alcool, dont leur origine, même tu peux même savoir d'où ils venaient, quelle région ils venaient, quelle scolarité ils avaient, je pense la situation matrimoniale, je ne suis pas sûr, mais on pourrait le voir dans le rapport que je n'ai pas relu. Là, mais auparavant, avant de commencer le travail de terrain, j'étais peut-être deux mois, là, à compiler des statistiques, faire des entrevues avec le responsable.
et rédiger un rapport à la fin du travail. Mais auparavant, pendant à peu près un mois, j'ai travaillé ici à l'université, à la bibliothèque. C'était un sujet nouveau pour moi, l'alcoolisme. Donc, pendant un mois, j'ai lu et j'ai lu beaucoup sur ce que les anthropologues ont écrit pas mal sur l'abus de l'alcool. Entre autres, un Américain qui s'appelle F-A-H-E-A-T-H, écrit plusieurs textes et ouvrages sur l'abus d'alcool. Il a fait des synthèses aussi de la littérature. Puis il y a toutes sortes de théories aussi l'explication l'alcoolisme. Il y a évidemment aussi de la littérature sur les différentes phases. Tu deviens buveur social, puis après ça, à un moment donné, buveur à problème, puis à un moment donné, tu deviens, il appelle ça à un moment donné, que tu es très malade, tu as des hallucinations, puis là, tu peux en mourir parce que tu peux causer des cirrhoses du foie. Et il appelle ça atteindre le fond du baril. Là, soit que tu meurs, tu t'en sors pas, ou là, que tu suis une thérapie. Puis tu s'en sors. Bon, il y avait différents organismes déjà à l'époque, entre autres les alcooliques anonymes. Donc, les travailleurs, le monsieur Hubert en question, servaient d'interface aussi entre des organisations qui pouvaient traiter ceux qui avaient des gros et graves problèmes, donc hospitalisation, traitement psychologique ou psychiatrique ou traitement médical, et ainsi de suite. Un de mes sujets de recherche, la consommation d'alcool. Je ne parle pas d'abus d'alcool, je parle de consommation d'alcool. Et même sur la Côte-Nord, plus tard, quand j'ai fait mes recherches sur la Côte-Nord, je n'ai pas fait une recherche spécifiquement sur ça, mais j'avais assez de matériaux. J'ai écrit un article justement pour la revue de l'Optat sur la consommation, la fabrication et la consommation d'alcool sur la Côte-Nord, parce que c'est une région éloignée, mal approvisionnée, pas de commission des liqueurs, comme on l'appelait à l'époque, la Société des alcools. Ils fabriquaient souvent leurs propres boissons, soit de la bière, homemade brew, comme on l'appelle, ou soit encore ils distillaient pour faire un alcool, une espèce d'alcool, là, avec un alambic. Dans mon article, là, j'ai même des modèles d'alambic, j'ai même des recettes aussi de fabrication d'alcool. Donc, pendant longtemps, on y reviendra un petit peu plus loin, mais j'ai aussi mon sujet de thèse de doctorat, c'était sur les fonctions de la bière, la place de la bière dans une société africaine, les Malinkés du Sénégal. Oriental. Ça a été mon premier terrain, mais appeler ça un terrain, c'était dans ma ville. Évidemment, il n'y avait pas d'exotisme là-dedans. C'est première recherche, en tout cas. Première recherche en dehors de l'université, mais dans mon contexte familial. Et c'est là que je pouvais fréquenter André, parce qu'on a commencé à se fréquenter pas longtemps après que je sois sorti de chez les Pères Blancs. On se connaissait un peu avant, on se connaissait même, on se connaissait, c'est beaucoup dire, mais on est même photographié ensemble à l'âge de 7 ans, avec ses cousines qui étaient les voisines de chez nous, de mes parents. Puis après ça, dans les scouts, avec ses trois frères ont été dans les scouts, j'étais leur chef, leur assistant-chef, et j'allais chez elle pour chercher le paiement du camp. Son père, il ne voulait pas payer, il voulait pas donner de l'argent à ses enfants. Il voulait que j'aille le chercher. Fait que c'est comme ça que j'ai rencontré la sœur, l'aînée des trois frères. Et puis, lors des camps, elle venait, lors de la visite des parents, elle venait. Mais puis donc, comme j'allais de temps en temps chez sa mère était très, très recevante, là. Fait que, je pense que c'est ça que tu disais, André, que j'allais voir ta mère. C'est ta mère que j'allais voir, en tout cas. Donc, j'allais de temps en temps là. Donc, après être revenu chez Père Blanc, je suis allé voir sa mère. Puis, on s'est rencontrés là. Puis, là, on s'est mis à se fréquenter. Quoique, quand elle était auparavant, avant de partir à l'école des infirmières, je la connaissais déjà. Puis, j'avais été, juste avant de partir, j'allais lui dire au revoir. Non, j'avais dit « hasta la vista » puis en espagnol. Puis là, ses consœurs, ils ont dit « ben ça veut dire qu'il va revenir ». En tout cas, je ne sais pas si j'avais des projets cachés, mais
Donc, en revenant, j'ai recommencé à voir André, puis on a commencé à se fréquenter. On s'est fréquenté pendant 3 ans jusqu'à notre mariage en 1964. Donc, ça, c'est... pour la recherche là, sur le bureau, je pense que ça s'appelait le bureau de consultation, je ne me souviens plus le titre, on verra ça sur l'ouvrage. En fait, il y a des lettres, c'est l'usine, parce que l'Alcan a plusieurs usines, c'est il y avait des lettres pour désigner, je pense que c'est l'usine C de la compagnie B, je ne sais pas trop, parce que pour la compagnie l'Alcan, il y a plusieurs usines au Québec. Et ailleurs aussi. Mais donc, c'était pour respecter l'anonymat là, des individus et des personnes. Même le responsable n'est pas nommé par son nom. Peut-être un pseudonyme. Là. Donc, ça a été ma première recherche positive, parce que j'ai produit un rapport qui a été apprécié, semble-t-il. Et donc, continuer des études. L'année suivante, j'ai pas fait de terrain, j'ai pas eu de contrat, je n'ai pas cherché non plus trop. Je suis allé travailler au restaurant de mon père à la plage de Chupchas. C'est eux qui payaient mes études. Donc, j'ai travaillé comme gratuitement pour... J'étais responsable là, du restaurant à ce moment-là, parce que mon père, il y avait beaucoup de choses. Aussi, c'est moi qui étais dirigeant le restaurant. Il pouvait avoir pas mal d'employés. Les fins de semaine, il y avait 3-4 000 personnes sur la plage. Là. On pouvait être 8-10 employés. Là. Sinon, sur semaine, on était une couple. Là. Moi, puis un ou deux autres, dépendant. Là, des belles journées. C'est une plage naturelle, ben, une plage naturelle, une plage en sable, c'est pas comme les piscines d'aujourd'hui. Sauf que c'était à l'intérieur des barrages d'Alcan. Il avait aménagé une plage, là. Pas très, très grande, là, avec l'eau du Saguenay qui coulait entre les barrages vers la centrale hydroélectrique de Chipcha. Donc, ça appartenait à l'Alcan aussi, une autre des propriétés de l'Alcan. À part le clergé, il y avait Alcan au Saguenay, puis la compagnie Price, c'était ça. Au Saguenay, c'était ça, la hiérarchie sociale et économique. Le clergé et les deux grosses compagnies qui faisaient vivre la région sur le plan économique. Donc, là, après ça, continue à la scolarité. J'en ai déjà mentionné différents cours qu'on a pu suivre. Et arrive en 64. L'année de notre mariage, on se marie au mois de mai, le 16 mai. On était trois de notre promotion à se marier le même jour. On était Pierre Bocage, qui est bien connu pour avoir enseigné à Montréal, mais aussi il a enseigné 2 ou 3 ans à Laval avant de quitter pour Montréal. Il y avait aussi... Samson, André, c'est le premier nom, c'est... Marcel Samson, qui était un autre collègue qui s'est marié le même jour, tous le 16 mai. Puis après ça, Bocage et Marcel sont partis ensemble sur le terrain au Honduras. Je ne me souviens pas par quelle connexion, là, quelle relation, mais ils sont partis. Puis moi, je devais aller en Acadie, en Nouvelle-Écosse, là, sur le terrain de Marc-Adélard. Avec l'équipe du Dr Layton. Je me souviens pas exactement le sujet de recherche, mais sauf que rendu au mois de mai, avant le moment du mariage, on était même préparé, André Vassich a acheté son costume, tout, pour aller en Nouvelle-Écosse. Puis après, attendre des nouvelles, la confirmation, etc., ça venait pas, donc il n'y a pas de garantie que je pourrais avoir un contrat pour faire un travail d'été, une recherche d'été, un terrain en Nouvelle-Écosse. Sur les entrefaites, il y a le professeur Albert Doutreloup qui était là, je pense que c'est la première année, qui était venu à Laval. Lui, était un Belge qui était au Congo auparavant, ben, l'ancien Congo, nouveau Congo. Zaïre, Congo, Zaïre, Congo, là. Elle avait travaillé au Mayom, dans la région du nord-ouest du Zaïre, du Congo de l'époque. Et il m'avait offert la possibilité, il avait eu un peu d'argent de l'Université Laval, je pense quelques centaines, le billet d'avion, puis quelques centaines de dollars pour les dépenses de terrain, pour aller au Mayom.
Mais il dit, on va se voir en Belgique. Puis c'est là qu'après ça, on pourra... Je ne sais pas si on devait y aller ensemble. Mais André, devais-tu y aller ensemble? Oui. Ben, au Mayon, là, avec Albert Doutreloup. Oui, oui. On devait y aller ensemble. On se rend compte, on était un mois en voyage de noces en Belgique, puis à Paris, imaginez-vous. Chanceux quand même, à cette époque-là. On se rend compte à Bruxelles, et puis il m'apprend qu'il y a des troubles au Congo. C'était pas nécessairement dans la région où on devait aller, mais il y avait une rébellion plus dans la partie Est. Donc, il dit que ce serait plus... plus sécuritaire d'aller probablement au Rwanda. Mais il dit, moi, avant d'aller au Congo, je vais passer par le Rwanda. C'est la deuxième année de l'Université du Rwanda. Vous savez que l'Université du Rwanda a été fondée par le père, par l'évêque, en 63. Et donc, nous autres, on est en 64. Et à ce moment-là... il dit, je vais passer par l'université, puis je vais voir ces possibilités que tu ailles faire ton terrain plutôt au Rwanda. C'est une espèce de parachutage. J'étais préparé pour aller au Mayom. J'avais lu, lui, il avait écrit, j'avais lu des choses. J'avais déjà un projet, un schéma de recherche de terrain. Et puis, finalement, ben, il dit, attendez mon télégramme. Fait qu'on attend le télégramme, puis il dit, oui, ça marche, vous pouvez venir au Rwanda. Fait que là, on était déroutés vers le Rwanda. C'était pas en passant par l'Ouganda, mais c'était juste un escale, puis on arrive au Rwanda. C'est en DC-3, on avait été en jet jusqu'à NTB en Ouganda, mais de là, il fallait prendre un DC-3, comme on existait un peu partout ailleurs en Afrique aussi, à l'époque, même sur la côte nord aussi, c'était des avions très, très fiables, là, des avions qui dataient d'avant la guerre. Et sur une piste en terre, la capitale du Rwanda, Kigali, c'était 3-4 000 habitants. Il y avait juste un édifice à étage, il y avait 3 étages. C'était comme un gros village, une piste en terre, juste bon pour les petits avions. C'était ça, le Rwanda, à l'époque, en 64. Un pays quand même de près de 3 millions d'habitants, très, très densément peuplé, le plus densément peuplé en Afrique, puis au monde aussi. On parle des Pays-Bas, là, qui est un des pays très denses aussi dans le monde, peut-être aussi les pays, certains pays asiatiques. Mais, donc, il y a une très, très forte densité de population, mais un habitat dispersé. Sur l'ensemble, c'est un pays très vallonneux. On l'appelait le pays des mille et une collines. Mais avec un habitat dispersé sur les collines. L'unité de peuplement, c'était à la colline. Peut-être quelques dizaines ou centaines de maisons, dépendant de la grosseur de la colline, avec un chef de colline là, qui dépendait... par la suite, c'est devenu des communes. Là. C'est vrai, c'était regroupé en communes. Les collines étaient regroupées en communes à l'époque. Donc, il y avait une espèce de maire, le chef de la commune, puis chaque colline avait un représentant. Où Tutsi et Hutu vivaient là, les uns à côté de l'autre. Là. On dit que les Tutsis, c'était des éleveurs, mais il n'y avait pas vraiment de grands pâturages, puis il n'y avait pas d'espace là, pour le nomadisme. Les Tutsis, surtout avec quelques vaches qui faisaient paître dans les bas-fonds, parce que dans les bas-fonds, c'était là où il y avait des petits lacs, des ruisseaux, etc., des marécages, puis il y avait beaucoup d'herbes qui poussaient. C'est là qu'on faisait paître les bovins, mais il y avait dans d'autres parties plus au nord, semble-t-il, des grands propriétaires de troupeaux, mais pas dans la région où j'étais. Donc, on est allé à l'université de Kigali, on est allé, c'est à peu près 100 km là, de la capitale à Butare, parce que le Rwanda, c'est 10 000 km², hein, c'est très, très, très petit comme pays. Donc, Butare, c'est au sud, juste à la frontière du Burundi. Et il y avait là des Dominicains, Père Lévesque n'était pas là. Il était parti en mission de cueillette de fonds puis de recrutement d'enseignants, etc. Donc, il y avait
de pères-là, dominicains, qui nous ont accueillis, qui nous ont aidés. On nous a même fourni une maison, mais pas tout de suite. Il a fallu rester un mois à l'hôtel, à l'hôtel Ibis, je me souviens du nom. On n'avait pas beaucoup d'argent, on mangeait 2 repas par jour. Mais ça coûtait très, très peu cher. Après un mois, on a eu une maison qu'on a partagée avec la bibliothécaire qui est arrivée un peu plus tard là, pour commencer la nouvelle session d'automne. Donc, l'Université du Rwanda, c'était une ancienne école primaire qui a été transformée en université. Je pense que la première année, il y avait 100 ou 200 étudiants. C'est comme ça que ça a commencé. Avec beaucoup de Canadiens, c'est surtout les Canadiens qui étaient là. Alors, on importait la main-d'œuvre par la suite, plus tard, mais pas dans mon temps. Ce sont des Rwandais là, qui ont pris la relève complètement. Là. Mais c'est encore là, un pays à la dimension, même pas d'une région du point de vue administratif, organisation, etc. Une université à la dimension d'une école, d'une petite école primaire, mais c'était pendant l'été, donc il n'y avait pas d'étudiants. Donc, il fallait que je fasse mon terrain là. En discutant avec les pères, on mentionnait 2 collines qui n'étaient pas très loin. Et puis, je pouvais faire mon étude, dont une qui s'appelait Mpare, M-P-A-R-E, Mpare, où je suis allé la première fois, je ne sais plus, quelqu'un a dû m'accompagner, mais il fallait que je me trouve un interprète, évidemment, parce que les gens ne parlaient que Kinyarwanda, la langue locale ou à peu près, mais... chanceux. En arrivant à la colline par le chemin, il y avait sur le bord du chemin une maison en briques, mais pas finie, où vivait Charles Mazourou, un enseignant qui avait été limogé parce qu'il avait divorcé d'une première femme. Puis il y avait une seconde, il vivait avec une autre femme avec laquelle il avait eu 2 enfants, je crois. Parce que c'est l'Église catholique qui chapeautait l'enseignement, les écoles, etc. Puis tu n'avais pas le droit de... Tu ne pouvais pas engager un divorcé. Fait que comme il était sans travail, etc., il parlait très bien français. Fait que je l'engageais comme interprète. Et là, on avait une liste qui venait de l'administration, une liste des familles qui restaient sur la colline. On a pris une espèce d'échantillonnage. Je pense que c'était 30 au début, 30 familles. Finalement, c'est 27. Je pense avec 27 qu'on a travaillé. Et mon projet de recherche, en fait, c'était une chose très simple. C'était sur les relations intrafamiliales. Ça, c'est tiré d'un ouvrage de George Peter Murdoch sur la social structure, dans lequel il y a un schéma, à un moment donné, pour étudier les relations intrafamiliales entre... Parents, enfants du même sexe et enfants de sexe différent. Donc, dans ma thèse, j'ai ma thèse ici, mon mémoire. Là. Je pourrais montrer le schéma éventuellement. Et puis là, je me suis mis à faire des entrevues avec André, parce que quand il s'agissait d'interviewer des femmes, c'est André qui faisait les entrevues. D'ailleurs, on a fait ça plus tard aussi. Je te raconterai une anecdote à ce sujet-là au Mali. Comme moyen de locomotion, c'était pas très loin, c'était à peu près au moins 5 km de Boutaré. L'administration de l'université m'a prêté une Vespa. Une Vespa, c'est le nom italien, mais c'est pas une mobylette, mais scooter. Un scooter. Donc, tous les deux, on partait le matin, on allait faire une entrevue le matin. Une heure à peu près. On venait, j'écrivais. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'enregistreuse comme on a aujourd'hui, là, des affaires miniatures. La seule enregistreuse qu'on avait, je ne sais pas si tu as déjà vu ça, c'était des grosses affaires comme ça, avec des grosses bobines comme ça. Évidemment, ce n'était pas transportable. Donc, à l'époque, la technique qu'on avait appris, les entrevues qu'on apprenait, c'était mémorisation. On mémorisait ce qui était dit, puis on essayait de faire verbatim. Puis c'est surprenant la qualité de la mémoire.
Parce que j'avais appris de, tous les noms de toutes les familles, avec tous les noms de tout le monde, nom, prénom, etc. J'ai pu le reconstituer de mémoire par la suite. Donc, deux entrevues par jour. Une le matin, transcription des notes. Une l'après-midi, transcription des notes. Et on fait ça, on fait trois séries d'entrevues, 80 entrevues. C'est surprenant parce qu'aujourd'hui, quand on fait... Là, qui font des, j'ai vu une thèse de doctorat avec 10 entrevues. Ce que j'ai beaucoup critiqué, mais en tout cas, ça a l'air que c'est une entrevue plus longue, disons 2-3 heures, mais quand même. Donc, 80 entrevues avec de 27 familles. Donc, j'avais beaucoup, j'avais des cahiers de notes. Mais malheureusement, j'ai perdu toutes mes notes. Quand je suis revenu, donc quand on est revenu du terrain, quand on a débarqué à l'aéroport de Montréal, on met les bagages sur le chariot, on amène ça à l'auto, c'était le soir. Mes parents étaient venus me chercher. Mets les bagages dans l'auto. J'avais toutes mes notes dans une petite porte-document. Mario était quand même bourré. J'ai oublié ça à l'aéroport. Rendu à Québec, on vient à Québec, on couche à Québec avec mes parents. Je me rends compte que j'ai pas mes notes. Tourne à Montréal, va voir l'endroit dans le stationnement, on va aux objets perdus, on fait une bonne réclamation, j'ai jamais retrouvé mes notes. Sauf que, quand je dis que la mémoire est extraordinaire, je me suis mis à la table, puis j'ai reconstitué toutes mes entrevues. C'était 10 ans davantage, là. Mais avec tous les individus, j'avais le nom de tous les individus. J'ai mis ça sur des fiches. Je les ai encore ici, quelque part, je pourrais vous les montrer. J'ai reconstitué toutes mes données de terrain à partir de la mémoire. Aujourd'hui, je serais capable de faire ça. Mais pour dire que la mémoire est extraordinaire. C'est le moment aussi, à cet âge-là, où on peut apprendre des langues. Je sais que j'ai tenté de quelques langues. Un peu le Kinyarwanda, mais pas assez. Je sais pour dire bonjour, bien salutations, etc. Mais j'ai appris un peu le russe, l'espagnol. Je tentais un petit peu de portugais. Mais donc, c'est pour dire que... Quand tu la fais travailler, quand tu fais travailler ton cerveau, au lieu d'utiliser des machines, tu peux être un outil extraordinaire dont tu ne connais pas les capacités si tu ne mets pas à l'épreuve.